Ah ben bravo, bravo. Moi ce week-end j'étais en Aveyron parce qu'avec mon épouse on aime bien danser la bourrée en mangeant du gâteau à la broche. Et qu'est-ce que j'apprends? Pas loin de Millau, un camion chargé d'aligots s'est encastré dans un poteau sur l'A75. Moi la dernière fois que je me suis fait encastrer par un poteau, c'était au Shanghai. Des centaines de barquettes d'aligots se sont déversées sur la chaussée et le chauffeur routier a été transporté à l'hôpital de Millau. Alors docteur? On n'a rien pu faire. Pour le chauffeur routier? Ah non, lui va bien, non. Oh. Non, pour l'aligo, on n'a rien pu faire. On n'a pu sauver qu'une seule barquette. Je peux la voir? Vous voulez la voir? Nous la verrons. Non mais toute cette aligo perdue, c'est un sacrilège pour les Aveyronnais. Alors il existe une vieille légende urbaine qui dirait que les Aveyronnais sont un peu... radins. Non mais c'est pas vrai, hein. Bah pour preuve, cette image très rare d'un Aveyronnais qui paye sa tournée. Alors il paraît que tous les comptoirs de bar en Aveyron ont des traces de griffes. Les Aveyronnais en récupérant leur monnaie. Ils disent pas des années, ils disent des ornées. En regardant un film d'horreur, c'est bon. Ah oh bah si, l'aligo saucisse. Et tu sais comment on appelle un mec qui laisse un pourboire en Aveyron? Un touriste. Alors moi j'ai une pensée pour tous ces couples aveyronnais qui la semaine dernière se sont séparés le 13 pour se retrouver le 15. Par économie de cadeaux pour la Saint-Valentin. Non mais je vous charrie les voisins aveyronnais. Et comme disait Zaz... J'aime mes ânes et la poitrine farcie, Aveyron mon pays. Moi j'aime le tribou et le flambadou, tout ça me rend fou. Juste un dernier petit mot pour remercier tous ceux qui suivent ce rendez-vous chaque lundi. On va faire une petite pause parce que je pars au ski à Tournefeuille. J'espère qu'il y aura de la neige. On se retrouve le lundi après les vacances. En attendant, vous pouvez venir nous voir en spectacle au 3T. Et pour les Aveyronnais, le parking est gratos. En même temps, ils sont super forts, c'est une tuerie leur truc. On peut avoir un couteau pour la saucisse? Ici, nous n'avons pas de couteau. Nous avons... C'est un vrai, c'est un laguiole. Laguiole, laguiole.